sur la route de Gorem, où, comme vous pouvez voir, on trouve de la neige. Ça gèle. Donc voilà. Et voilà, les amis. Nous voilà sur la route. Regardez ce qu'on voit au loin. Il y a de la neige. Non, tu peux prendre le téléphone, ouais. Ah. Au moins, on est sur la cuve. C'est pas mal, hein. L'eau de la cuve. Au moins, on... Après une petite pause sur la route pour voir les maisons troglodytes, nous voilà repartis en direction du camping où nous allons passer une première nuit. Première nuit sur Gorem, levé 6h20 du matin, avec entre moins 5 et moins 10 degrés. Mais je pense que ça valait le coup de se peler pour avoir un spectacle pareil. Donc voilà.
a fait dodo? Oh oui, on a fait dodo dans un hôtel troglodyte. Petit cadeau de Noël. Allez, on vous fait voir ça. Allez, voilà les amis. Petit plaisir pour le réveillon de Noël. Une chambre dans un hôtel troglodyte. Yaya, direct, elle a dit, ça, c'est mon lit. On va voir si elle va faire dodo dans son lit toute seule comme une grande. Tu fais dodo où? Tu fais dodo où cette nuit? Là, toute seule? Maman, elle fait dodo où? Là-bas. Et toi, tu fais dodo où? Là-bas aussi? Ou dans ton lit? Donc voilà. Petit kiff perso. Regardez. Ça kiffe. Un petit loupé, on voulait une chambre avec baignoire. Ou non, une chambre avec douche. Tant pis, pas grave. S'il te plaît que je te fasse le thé à genoux. Moi j'ai un café. C'est quoi? Original. Sont-ils impatients d'ouvrir les cadeaux? Je crois. Et oui, nous, c'est le 24 qu'on les ouvre. Comme ça, après, pour mon repas, ils peuvent jouer, ils peuvent s'occuper tranquillou. Quand tu espères dormir un 25 décembre, un petit peu plus tard que d'habitude, et que tu te réveilles à 7h du matin, et que tu vois un super spectacle de la chambre, depuis l'hôtel, je trouve que c'est sympa, ça fait un bon Noël. To one another, and don't give in to fear.
It's all that I am asking for Christmas time this year. We've had enough of fighting and dying in the streets. For Christmas, I just want a little peace. Be blind to one another. The differences are small. We all have got a cross to bear. We all have got our faults. For once when we're affronted, can we turn the other cheek? For Christmas, I just want a little peace. And if the fates should bless us with a moment of reprieve, we all could stand together in the silence and just breathe. Rejoice for all the happiness, mourn for all the grief. It's all that I am asking for this lonely Christmas Eve. Salut. Du coup, il faut savoir quand même que nous avons laissé les véhicules au camping où on avait dormi la nuit d'avant. Parce que ben, pour aller jusqu'à l'hôtel, c'était trop compliqué. Ben, nous, avec le camping-car, le camion, on ne serait pas passé. Donc, nous voilà au départ du camping de Gorem. Allez. On attend la descente de Gégé. Qui nous fait ça, Loïc nous fait ça tout en marche arrière. Pas trop le choix. Guidé par Super Yo-Yo. Vincent filme au virage. Moi je filme en bas. Il va aller faire demi-tour là-haut, je pense, Gégé. Super Loïc en action! Allez, nous on attend notre chat. Et les autres décollent. Donc voilà. On attend. Voilà. On attend le chat. On attend le chat. Allez.
Allez, on a récupéré le chat. Et donc voilà, je vous explique tout à l'heure en vidéo comment comment j'ai fait pour récupérer mon chat. Voilà, Turbo qui arrive. Alors c'est gelé, il faut aller doucement. Voilà. Je rappelle qu'on est quand même dans les Cappadoces à Gorem et qui fait moins 5. Donc voilà. Pépère, il descend doucement, il est monté facilement. Donc voilà. Donc voilà, nous voilà partis. Et voilà, on va remettre les plots. Allez, il faut quand même que je vous explique. Au moment de partir de Gorem, on n'avait plus notre chat du camping. Et pendant 5-10 minutes, voire un quart d'heure, on lui a limite couru après pour essayer de la faire rentrer. Ça marchait pas. Donc on a abandonné et je regardais un peu où elle était. Et au bout d'un moment, j'en ai eu tout simplement marre. Je me suis assise sur le muret. Et j'ai dit, je regardais mon Facebook, je regardais mon Snap. Donc j'ai fait ma vie et d'un seul coup, mon chat est apparu vers moi. Et j'ai pas essayé de l'attraper. Je dis, ma petite, pour que tu me files entre les pattes, c'est mort, quoi. Et elle est venue chercher un câlin, tout simplement, se mettre à côté de moi. Et hop, un chat attrapé, un chat en cage.